hope you're fine. I'm very happy to find you. We can look at the timetable now. Follow me. Alors, en premier, nous allons travailler sur le calendrier et la météo, nos rituels du jour. Nous enchaînerons sur un petit travail alliant en fait une lettre que nous avons déjà vue avec un nouveau son, enfin nouveau, pas de quoi paniquer. Notre travail sur l'orthographe, on enrichit notre phrase. Le vocabulaire, on continue avec nos pirates. Et enfin, lecture compréhension, nous terminons l'album Bas les pattes pirates. Alors, tout de suite, look at the calendar, open your book and take your blue pencil and your yellow pencil. Je vois tout de suite des enfants qui commencent à le dire de façon automatique, c'est une très bonne chose. Alors, avant toute chose, be careful. Why? Because in 1, 2 days, it is a great day for Isandre. Why? Pourquoi ce sera une grande journée pour Isandre dans 2 jours? Eh bien, parce que ce sera son birthday. What is the day? Today. Today, it's Thursday, Thursday, the number 11, the 11, Thursday, the 11 of June. Yesterday, it was Wednesday, the 10th of June, and tomorrow, it will be the last day of the week. Friday, the 12th of June. Ok? So, did you work on Tuesday? Tuesday? Mardi. Bravo, Rodrigo. Mardi, did you work? Absolutely. So, you can take your blue pencil and you can color it. After this, did you work on Wednesday? No, no, no. So, you can take your yellow pencil. Yes, very well, Inès. And today? No, 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 you can color. Today, because the day starts now. Okay, close your book, put it next to you. And what is the weather like today? Look at the sky and say me, what is the color of the sky? It is a very cloudy day. Ce n'est pas encore aujourd'hui que nous aurons du magnifique temps que nous avions encore il y a 2 semaines, malheureusement. Allez, courage les petits loups, ça reviendra. On enchaîne directement sur notre son et notre lettre. Alors, la lettre du jour, en fait, est une lettre que nous avons déjà vue. Et on regarde tout de suite derrière moi. Donc, effectivement, la lettre que nous vous revoyons aujourd'hui est la lettre Y. Alors, c'est une lettre qu'on a vue très rapidement au début de l'année, puisqu'on disait que le Y, c'était le cousin de mademoiselle I. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Ok. Mais lorsque le Y n'est pas entre 2 voyelles, c'est-à-dire qu'il n'est pas entouré de membres de la famille voyelle, on se redit très vite qui sont les voyelles. Tom le prêle, A. Oui, très bien. Tom au bijou, E. Super. Nour, I. Oui, Inès. Le O, oui, Elio, le U. Alors, lorsque le Y, qui fait partie de la famille voyelle lui-même, n'est pas entre 2 voyelles, eh bien, il se prononce comme si c'était la lettre I. Vous vous souvenez de ça? Donc, je vais vous mettre des mots au tableau qu'on va lire ensemble pour se remémorer ça, se remettre en mémoire. Alors, je vous ai laissé le temps de lire un petit peu ces mots. Maintenant, on va bien revoir ensemble. Ce sont donc la lettre Y n'est pas entre 2 voyelles. Vous voyez, là, elle est entre le C et le C. Ce ne sont pas des voyelles. Alors, ça se lit. On y va. Jean. Attention, Jean, c'est bien la botte. Bi, très bien. Si. Clette. Très bien. Bicyclette. Donc là, c'est comme si c'était le I. Ici, on va demander à Ombline. Beau. Dit.
Très bien. C'est comme également si c'était le i. Un body, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de petite chemise hein, qu'on met au bébé. Ici. Allez, Maxime Santos. Pi. Très bien. Ok. On passe à côté. Noah. Le. Li. Très bien. C. Le lycée. Donc, ce sont les écoles, le niveau d'études qu'il y a après le collège, après la troisième. Enfin, dernier mot. Et nous allons demander à Raphaël. Pi. Ja. Ma. Donc là, on retient bien, lorsque le Y n'est pas entre deux voyelles, on le prononce comme si c'était un I. Et je remets une deuxième série. Je vous ai donc laissé le temps de voir, de lire également ces trois mots que nous décortiquons ensemble. Alors, c'est parti avec Jade. Un. Ah oui, c'est plus difficile parce qu'ici, c'est comme si c'était I. Donc, le I et le N. Oui, c'est bien, ça fait 1. Donc, le 1, pardon. Lynx. Lynx. D'accord. Le lynx, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie effectivement de la famille des félins. Et c'est un gros chat. Un gros chat que l'on trouve en Afrique, mais un gros chat sauvage. À côté. Merci, Jade. À côté, on y va, Yolane. Alors là, c'est pareil, hein, comme si c'était I. Sympa, se dit de quelqu'un de gentil. Pourquoi le M? Vous vous souvenez de cette règle-là? Parce qu'il y a le P, d'accord? Très bien. Juste à côté, et merci Yolane, juste à côté, Lewis. Le, facile, là c'est comme s'il y avait un i. Tympan. C'est quoi un tympan, Isandre? C'est une partie de l'oreille, bien vue. Et on y va, on se termine la troisième série de mots. Donc là, hein, on est d'accord, le i, le y se prononce comme un i. Donc la combinaison des lettres, vous maintenant vous connaissez. Bien, je vous ai de nouveau laissé un peu de temps pour lire ces trois derniers mots de cette série, en tout cas. Donc là, on est toujours dans le cas où le Y fait le son de Madame I, ce qui fait que lorsque vous avez le E plus le I, vous vous souvenez, c'est bien ça, Aaron, ça fait le son E. Très bien. Donc on y va, tiens, justement, Aaron. Un. Tu peux le faire. Poney, très bien, un poney, petit cheval. On suit avec Nathan. Un, jo, très bien, alors, quai, super. Qu'est-ce que c'est qu'un jockey? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Alors, en général, oui, ce sont des hommes dont le métier est de monter un cheval. Enfin, dernier mot, et cette fois-ci, on va demander à Martin. Un. Alors, le A et le I, ça fait quoi comme son, Martin? Ça fait E, tu as raison. Et là, il s'agit du mot spray. Un spray. Spray, donc, psh, 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 donc en général sous forme de bombe, et que vous utilisez pour les cheveux quand vous voulez vous faire beau. Hein, Tamobio? Donc là, on a revu le Y qui n'est pas entre deux voyelles et qui se prononce I, d'accord? Donc ça, généralement, vous n'avez pas besoin de connaître la règle. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez et que vous commencez à comprendre ce que vous lisez, eh ben, automatiquement, vous transformez le mot pour qu'il veuille dire quelque chose. Ceci dit, il faut quand même le savoir. Pourquoi ça s'écrit comme ça? Parce que vous, quand vous serez amené à l'écrire, ben, il faudra l'écrire correctement, d'accord? Allez, j'efface et puis on va voir la deuxième façon dont on prononce le Y lorsqu'il est entre deux voyelles. Alors, que se passe-t-il lorsque le Y est entre deux voyelles?
comme c'est le cas ici, tu vois, là il est entre le A et le O. Là il est entre le O et le A. Là il est entre le O et le E. Ce sont toutes des voyelles. Eh bien, c'est comme si le Y avait deux I. Alors comment faire pour s'en souvenir? C'est relativement facile parce qu'on verra que lorsqu'on apprend à bien le tracer, que les deux petites pointes du Y qui font penser au départ à quelle lettre quand on le trace, c'est ça, Maxime Henri, au U. Bah oui, tu as raison. Eh bien, ça peut aussi faire penser à deux. Ouais, c'est ça, Maxime, je t'ai vu. Ça fait penser à deux I. Exactement. Du coup, regardons. Le ré, ion. Donc, on a le A et le I qui font le son E, plus le deuxième I qui sert à faire ion. Ion. Ça te rappelle pas un truc? Ouais, c'est ce qu'on a vu hier. Quoi, c'est ce qu'on a vu encore la semaine dernière. Et ce qu'on a vu, revu encore en début de semaine. Ça va faire 3 semaines hein, qu'on est là-dessus. Hein. Les I, les aï, les ouï, les œil, etc. Donc, lorsque le Y est entre deux voyelles, c'est comme s'il y avait deux I. Donc, le premier I, il se marie avec la première voyelle. Tu vois, c'est comme s'il était coupé en deux. Premier I, il se marie avec la première voyelle. Voix. Et puis le deuxième, il se marie avec la fin. Iage. Un voix. Iage. Ici. Si toi. Si toi. Iain. Ok? Allez, on s'entraîne. On s'entraîne en prononçant bien à la maison. On découpe deux i. Allez, on y va ensemble. Donc, pour le mot qui est ici, donc ça c'est facile, c'est le mot 1, notre article. Ici, on redit notre petit aide-mémoire comme s'il y avait deux i. Le premier, il se marie avec le début du mot. Crée, oui très bien Jason. Crée et la fin, ion. Comme ré-ion, un crayon. Ici, on passe à la suite. Corentin, ça, tu sais super bien lire. Un, puis on divise le Y en deux. Il est entre deux voyelles. Du coup, comment tu lis ça? Tui, et la fin, i-o. Un tui-io. Bravo! Allez, on enchaîne sur une petite série de mots et je vais te les laisser lire et ensuite on les décortiquera ensemble. Alors, on les décortique ensemble. Pourquoi j'avais laissé la phrase introductive? Lorsque le Y est entre deux voyelles, c'était pour bien vous signifier que là, vous n'aviez que des mots avec le Y qui faisaient en fait deux I. Alors, c'est parti. Donc ici, on divise en deux, c'est comme si on avait deux i. Alors, comme, du coup, comment tu lis ça? Première partie, paix, très bien. Ié, ça fait le mot payé. C'est parfait. Deuxième mot, Maya. Donc toujours comme si on avait le Y à couper en deux avec deux i. Maya, noix, très bien. Ié, noyé. On continue. Gabriel, le Y coupé en deux. Comment tu lis ça? Ré, super. Ié, rayé. Génial. Tiens, Jean. Allez, ça c'est facile. Un, très bien. On coupe le Y en deux. Hop. Hop, première partie, voix, très bien. La deuxième, iou, un voix, iou, très bien. Allez, on continue, Elio. On coupe en deux, attention, là il faut allier le b et le r. Br, bruit, iou.
lettre muette, elle dort. Bruyant. Relisez bien papa maman après vos enfants s'ils ont du mal à découper bien les mots. Ici, on s'attaque au suivant, Raphaël. Allez Raphaël, courage. Joie, très bien. Et en dessous et à côté, I, E. Oui, c'est bien, le X étant une lettre muette. On passe en dessous, comme. Première partie, noix, très bien. Deuxième partie, io, super, un noix, io. À côté, Maxime-Henri. Allez, courage mon grand. Bas, très bien. On coupe le Y en deux. Lait, i et balayer. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Alors, pour demain, ce que je vais vous demander, c'est de récupérer le petit texte que je vous ai écrit, mais attention, qui mélange à la fois le Y entre deux consonnes, entre deux voyelles, et le Y qui n'est pas entre deux voyelles. Donc, qui fait parfois le son I et qui fait parfois le son I. D'accord? Et demain, il y aura un petit quiz sur ce texte. On enchaîne sur l'orthographe. Prenez vos ardoises. Allez, bon, l'orthographe, vous pouvez commencer sans moi. Hein, on se souvient, la grenouille, vanille, baille sur son nénuphar. Point. Final point. Et on corrige ensemble. Vous avez tous eu le temps de l'écrire, ça y est. Si vous en êtes là, hein, vous trichez pas, hein, c'est que vous en êtes à la correction. Donc, majuscule, allez, là. Jusque-là, pas de souci, tant mieux. Greu. Nouille. Décidément, c'est vraiment les sons de fin d'année. La grenouille. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je pas que j'oublie? Bien vu, Jason. C'est le V majuscule. Pourquoi? C'est le prénom de la grenouille. Très bien. Et donc, le prénom de la grenouille, c'est un nom propre. Oui, bien. Alors, hop. Vanille. Drôle de prénom pour une grenouille. La grenouille vanille. Boye. Pourquoi je fais le O? Oui, parce qu'il y a un accent circonflexe. Bravo, Tom au bijou. Allez, ba. Bo. I. Et elle baille où? Sur son nénuphar. Alors, sur, pas de difficulté. Son, pas de difficulté. Et nénuphar, pas de difficulté. Oui, Gabriel, bien vu. Oui, je sais. Alors, dis-moi, il faut le P et le H. Bravo. Nénuphar. Final point. Et vous laissez le point final parce qu'en fait, on va faire la deuxième phrase. Eh bien, on va toujours parler de notre grenouille. Donc, au lieu de réécrire la grenouille, on va utiliser le pronom personnel « elle ». D'accord? Vous vous souvenez? Donc, après le point, qu'est-ce que je fais? Majuscule. Donc, « elle » est, verbe d'état. « Elle est », c'est le verbe « être » à l'infinitif. « Elle est tranquille ». Ah, je ne suis pas gentille. Tran, alors le son en, c'est celui du fantôme. Vous vous souvenez? Le k, c'est la quille. Donc, il ne faut pas oublier quelqu'un avec. Il. Ok. Allez, on corrige. Donc, elle. Je vais mettre une autre couleur parce que c'est la suite de notre vie. Elle, qui est un mot outil du début d'année. Hein. Donc, ça, on sait faire. Elle est, verbe d'état, vous connaissez aussi. Alors, le mot tranquille, bah, c'est pas très gentil, maîtresse, hein, parce qu'il est dur, celui-là. En. Après, je vous ai dit quoi? Bien joué, Jean. Tu vois, ça y est, la quille avec mademoiselle U. Ensuite, on entend qui? Bien, Maya, le I. Qui. Ensuite, on entend quoi? Maxime Santos. Le L.
Eh ouais, mais c'est là où je suis pas gentille. C'est qu'ici, il y a deux L et un E. Et on n'entend pas IE, mais IL. Ok? Ça, ce sont des mots que vous allez... Donc là, évidemment, le point final. Ce sont des mots que vous allez apprendre à lire de plus en plus vite et qui, malgré ce qu'on a appris, bah, sont un peu différents. Bah oui, parce qu'on a une très belle langue en France, mais elle est compliquée. Alors, on se souvient, nos petits écueils, nos petits pièges. Ne pas oublier la majuscule, ne pas oublier très bien comme l'accent circonflexe, ne pas oublier Gabriel, le P et le H, elle, est. Alors là, faut pas oublier le en, la quille et les deux L. On n'oublie pas le point, effectivement. Ok les petits loups, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Alors hier, nous avions travaillé, enfin on avait travaillé en vocabulaire sur les pirates. Vous vous souvenez un petit peu si je vous dis, je suis une étendue de terre entourée d'eau et qui est inhabitée. Je suis, je suis, je suis. Alors, Lewis, je suis quoi? Exact, je suis une île, mais déserte. Très bien. Je suis un jeune, en général un jeune garçon de moins de 17 ans et qui est en train d'apprendre le métier de marin. Et je m'occupe de tout ce que les autres ne veulent pas faire. Alors ça, c'est pas très sympa. Mais je suis qui? Oui, Inès, je suis un mousse. Parfaitement. Je suis le parquet d'un bateau. Martin? C'est le pont, mais bien sûr, tu as raison. Je suis une petite embarcation qui pouvait se mettre à l'intérieur des gros bateaux en cas de naufrage, notamment pour porter secours aux marins. Qui suis-je? Alors, on va demander à Tom Leprel. Je suis une chaloupe, bravo! C'était pas simple comme mot. Je suis une attaque qui est menée contre un autre bateau. Une attaque menée contre un autre bateau. Ça te dit quelque chose, Maxime Santos? L'abordage. Alors, à l'abordage, hein, c'est quand on le fait. Hein. Très bien. Je suis un rescapé d'un naufrage. En fait, je ne suis pas forcément toujours en bon état une fois que j'arrive dans le bateau qui m'a sauvé. Mais alors, qui suis-je? Qui suis-je, Isandre? Je suis un naufragé. Bravo. Eh bien, je vous demande maintenant, on va compléter notre collection de mots sur les pirates, mais d'aller récupérer dans le dossier de papa et maman ceci. Allez, on va compléter notre vocabulaire cette fois-ci sur les bateaux pirates. Et alors, on va pas tout remplir aujourd'hui, parce que bah, ça ne sert à rien de mettre trop de mots d'un coup, sinon vous ne les retiendrez pas. Mais on va s'occuper de plusieurs mots et il faudra effectivement les retenir. Vous allez aussi récupérer ceci. Alors dans ceci, on ne va pas prendre tous les mots aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne découpez pas toutes les étiquettes, ça sert strictement à rien. D'accord? On va les découper au fur et à mesure de nos besoins. S'occuper de mots un petit peu faciles et d'autres un peu moins. Donc tout en haut du bateau des pirates, mais en fait il ne s'agit pas que des bateaux des pirates parce qu'aujourd'hui encore tous les bateaux en ont un, en tout cas tous les bateaux qui naviguent. Il s'agit, alors pas d'un drapeau, non non, je l'ai entendu, d'un pavillon. Un pavillon. Alors aujourd'hui encore, il y a des pavillons sur tous les bateaux qui naviguent. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir les identifier. Identifier à quel pays notamment ils appartiennent. Donc là, c'était pavillon et bien tête de mort. Donc vous imaginez bien que effectivement, c'était des pirates. Donc l'étiquette pavillon, eh bien vous pouvez la découper et la coller à cet emplacement même. C'est bon pour les pavillons? Alors ensuite, on s'attaque à ceci. Bah oui. On imagine bien que au XVe siècle, lorsque la piraterie fait rage, les bateaux à moteur ne sont pas légion sur les océans. C'est-à-dire que bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a même pas du tout.
Donc ces bateaux, ils fonctionnent avec quoi? Avec une énergie qui est naturelle, qui est celle du vent. Et donc grâce, effectivement, Isande, grâce à des voiles. C'est pour ça que je vous demande de trouver l'étiquette mot voile et de la coller, eh bien, à cet emplacement. Donc deux mots, pavillon, pavillon qui aujourd'hui existe encore sur tous les bateaux, pas avec des têtes de mort, hein. Voile. Et on descend cette espèce de grand bras qui part vers l'avant du bateau, hein, il s'agit de l'avant du bateau. Eh bien, il s'agit d'un mât, en fait. Mais pas n'importe quel mât, c'est le mât de Beaupré. Vous trouvez l'étiquette, vous la collez ici. Alors, c'est quoi le mât de Beaupré? Alors, le mât de Beaupré, si on le regarde comme ça, il peut paraître beaucoup plus petit en fait que les autres mâts. Vous voyez qu'il y en a trois des mâts. Un, deux, trois. Et ce mât de Beaupré, en fin de compte, il avait le même diamètre, c'est-à-dire la même circonférence. Il était aussi gros en fait que les mâts du centre du bateau. Mais par contre, la différence, c'est qu'il n'était pas aussi grand. Vous voyez, il est un peu obliqué vers l'avant du bateau, comme une espèce de corne qui lui a poussé en avant. Et on pourrait presque dire que bah, il sert à rien. Bah, au contraire, en fait, il servait beaucoup, puisqu'il servait à voiler ici, il a une petite voile. Il compensait également la voilure qui est ici. Il servait à aller encore plus vite. Et il avait aussi une autre fonction, c'est-à-dire que ici on ne le voit pas parce que c'est un dessin, mais normalement, il y avait des espèces de câbles qui étaient rattachés aux autres mâts. Ce qui veut dire que de ce mât-là dépendait le fait que ces mâts-là tiennent debout. Donc vous imaginez bien que lors des attaques, lorsque ce mât-là était brisé, bah, qu'est-ce qui se passe avec cela? Eh bien, il tombe aussi. Donc ce mât-là, il était extrêmement important. Important pour acquérir plus de stabilité sur l'océan. Important aussi pour aller plus vite puisqu'il rajoute de la voilure, donc il rajoute de la prise au vent. Et puis important également parce que bah, il permettait aux autres mâts et bah, de tenir debout et d'être solides. Donc voilà, mât de Beaupré, voile, pavillon. Et vu qu'on a parlé du mât de Beaupré, eh ben, faut parler des autres mâts. Donc ici, vous en avez un seul qui est montré, mais il s'agit bien du mot mât qu'il faut mettre ici. Et ce sera les quatre mots que nous retiendrons aujourd'hui. Pavillon, voile, mât de Beaupré et mât. D'accord? On reverra ça encore demain, ensemble, en complétant notre bateau. Et on termine donc avec bah, la fin de l'histoire de bah, les pas de pirates. On reprend notre lecture. C'est parti sur le 8 et le 9, qui sont maintenant des petites lectures pour vous. Alors, on y va. C'est parti pour le texte 8. J'espère que vous suivez. Tandis que les pirates s'éloignent sur leur navire, Léo furieux marmonne. Ce n'est pas juste. Barberage mérite d'être cuit comme un homard. Et Zoé tempête à tue-tête. Papa, il ne fallait pas lui céder. Mais le roi Igor éclate de rire. Ne t'inquiète pas, ma crevette. J'ai fait une farce à ce pirate d'eau douce. Et dernier texte. À peine arrivé sur son île, Barberage commence à compter sa fortune. Mais son trésor fond dans ses mains. Les doigts collants, Barberage s'étrangle de rage. Furieux, furieux. Ces pièces ne sont pas en or, elles sont en chocolat. Ok, donc il s'est bien fait avoir, le pirate. Alors, on récupère dans le fichier de papa et maman le questionnaire. On y va. Donc, cette fois-ci, il s'agit du coffre 8 et 9. On prend un crayon de couleur de la couleur que l'on souhaite pour nous colorier la réponse à la question qui est furieux? Donc colorie la bonne étiquette. Que signifie la phrase Zoé tempête à tue-tête? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une tempête sur la tête de Zoé? Est-ce que ça veut dire qu'elle crie très fort parce qu'elle est furieuse? Est-ce que ça veut dire qu'elle souffle très fort? Ou encore, est-ce que ça veut dire que la petite fille se tape la tête?
À vous de cocher la bonne réponse. Cocher, hein, faire une croix. Pourquoi le roi Igor éclate-t-il de rire? Et là, vous prenez votre fluo parce que vous allez juste devoir surligner la bonne réponse. Parce qu'il éclate de rire car Zoé est une crevette. Il éclate de rire car il a fait une farce à Barberage. Il éclate de rire parce que Zoé est en colère. Ou bien, il éclate de rire car une tempête arrive. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire. Ensuite, je vous demande juste d'écrire dans les fenêtres qui sont ici, vrai ou faux, en fonction de ce que je vous lis. Alors, je vous le lis parce que l'objectif là n'est pas de la lecture, mais de la compréhension. C'est-à-dire que vous avez eu votre texte à côté, que par contre, vous avez fait l'effort de lire. Et là, on travaille sur est-ce que j'ai bien compris le texte. Le roi Igor est venu sauver sa fille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Barberage a son coffre rempli d'or. Vrai ou faux? Léo veut manger du homard. Vrai ou faux? Zoé et Léo font la fête sur le bateau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Enfin, Igor a fait une farce aux pirates. Vrai ou faux? Quel surnom donne Igor aux pirates? Il l'appelle... Enfin, quelle est la farce qu'Igor a fait à Barberage? Je vous demande de faire une phrase et d'entourer le bon dessin qui correspond à la farce, c'est-à-dire le coffre est rempli d'or, les pièces en chocolat ou le coffre est vide. On passe aux maths. Alors, pour les maths aujourd'hui, donc du grand classique dans le déroulement de la séance, c'est-à-dire calcul mental, révision, encore une fois, et oui, je sais bien, de tout ce qui est table d'addition, les doubles. Hier, on avait revu quoi? Table de 1, table de 2, table de 9, table de 10 et les doubles. Et bien aujourd'hui, nous allons revoir la table de 3, de 4 et de 5. Ensuite, on s'entraînera un petit peu là-dessus, puis de la géométrie pour reprendre ce que nous avons vu hier. Et enfin, nos traditionnels problèmes. Allez, on attaque avec un petit quiz. Alors, ça s'appelle en fait le chemin des additions. Ok, donc vous avez une opération au départ et plusieurs propositions de réponse. Et je vous indique de suite la première diapositive. Alors, 6 plus 3, quelle était la bonne réponse? C'était 9, très bien. Est-ce que vous avez vu que, à côté des réponses proposées, vous aviez également des solides, voilà. Alors, en fait, c'est parce que, comme ça, on revoit en même temps le nom des solides. Et oui, rien n'est gratuit. Donc, le premier que vous aviez solide, c'était quoi? Une boule, bien joué. Le deuxième? Ah, je vois que vous ne vous souvenez pas très bien. C'était quoi le deuxième? Le pavé droit. Bien joué, Ombline. Et le dernier? Et le dernier, qu'est-ce que c'était? Notre fameuse pyramide. C'est bien. Donc, première réponse, c'était 9. Ok? Ah oui, j'avais oublié de vous le dire. Ça se fait sur ardoise. Je suis désolée, mes petits loups. On regarde la deuxième diapo? Alors là, vous aviez un double chemin, deux chemins, avec plusieurs propositions. 6 plus 5, donc déjà, on se dirigeait vers quoi? 6 plus 5, ça fait 11, bien joué. Ensuite, il y avait l'opération 8 plus 3. Alors 8 plus 3, ça faisait combien? 11 ou 12, vous aviez proposition. C'était 11, ça correspondait donc à quel solide que vous voyez? Oui, ça correspond à la boule. Bravo, Lewis. On regarde la troisième diapo. Alors là, vous aviez un triple chemin, c'est-à-dire trois chemins différents. Le premier, 6 plus 2. 6 plus 2, on obtenait quoi? 8 ou 9? 8, bien joué. Ensuite, 8 plus 8, on obtenait 16 ou 14? 16, bien. Et après 16, 7 plus 9, on obtenait 15 ou 16? 16, super mes petits loups. Et ça correspondait à quel solide?
Il s'agit bien donc de la boule rouge. Réponse 16. Ok, et enfin la dernière diapo, qui est un triple chemin également. Donc à 3 plus 8, vous répondez par 10 ou par 11? Par 11, bravo. Ensuite, 2 plus 5, vous répondez par 7 ou par 8? 7. Et 5 plus 8, vous répondez par 13 ou par 14? Par 13, bravo mon grand. Et donc, du coup, ça correspondait à quel solide? C'est un cône. Bravo. Je vous engage tout de suite à revoir la petite vidéo. Allez, on enchaîne tout de suite en prenant son cahier bleu, en écrivant la date d'aujourd'hui ainsi que calcul. Et puis nous allons nous entraîner donc sur des petits calculs, on continue sur des petits calculs concernant les tables d'addition. Donc je vous laisse reprendre l'écriture des lettres, maintenant vous avez un peu l'habitude. Et pendant que vous faites ça, en même temps, je vous explique donc, ou réexplique, qu'il ne s'agira pas de calculs donc que je vais écrire, de calculs que je vais simplement vous dire. Pourquoi? Bah, pour apprendre à calculer de plus en plus rapidement, trouver les réponses justes. Bien entendu, on n'aura peut-être pas les 10 de juste aujourd'hui, mais le but, c'est d'aller de plus en plus vite. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout à côté donc de vos lettres, de faire un cercle comme celui que je viens de faire en rouge là. Et de mettre à la fin, lorsqu'on fera la correction, comptabiliser le nombre de bonnes réponses. Comme ça, la prochaine fois qu'on va le faire, bon, on refera le cercle et vous verrez si vous progressez petit à petit. D'accord? Mais j'en suis certaine. Allez, vous êtes concentrés, vous prenez votre crayon à papier parce qu'on a le droit de se tromper. Si toutefois, lorsque vous écrivez juste le résultat, bien sûr, comme d'habitude, si vous ne trouvez pas, si vous séchez, Onita, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, plutôt que de perdre votre temps, vous passez au suivant. D'accord? C'est pas grave. Pour le petit A, 2 plus 7. Petit B, 4 plus 8. Petit c, 5 plus 9. Petit d, 4 plus 5. Petit e, 10 plus 5. Petit f, 3 plus 7. Petit g, 4 plus 4. Petit h, 5 plus 7. Petit i, 9 plus 9. Petit j, 2 plus 6. Vous mettez votre crayon à papier dans votre trousse et on prend le stylo vert. On ne triche pas. Allez, c'est parti. 2 plus 7. De plus 7, Noah. Oui, c'était bien 9. Si vous avez juste, vous mettez un petit trait. Voilà pour le petit a. Pour le petit b, c'était 4 plus 8. Rodrigo. 12. C'est bien. On met un petit trait.
Pour le petit C, c'était 5 plus 9. Nour. 14. On met un petit trait si c'est bon. Pour le petit D, c'était 4 plus 5, Jade. Ouais, celui-là, c'est facile. Ça fait 9. Pour le petit E, c'était 10 plus 5, Maxime Santos. Une dizaine, 5 unités. Bien joué, 15. On met un petit trait. Pour le petit F, c'était 3 plus 7, Monsieur Isandre. 10. Bien joué, c'est les compléments. Compléments à 10. Petit G, on avait 4 plus 4 et c'est pour Yolane. Bien joué, mon grand, c'était un double. Oui, le 8. Le H, c'était 5 plus 7. On va demander à Jason. 12, bravo. Hop, le I, 9 plus 9. On demande à Aaron. 9 plus 9, Aaron. Un double, 18, bravo. Enfin, le dernier. Il s'agit de 2 plus 6. Tom Leprel, 2 plus 6. 8, bien joué. Voilà, donc on compte le nombre de bonnes réponses qu'on a et on écrit ce nombre ici. On prend la petite photo et on l'envoie à Madame Gaillard et à moi. Et immédiatement, on aborde la géométrie. Donc, vous pouvez fermer votre cahier pour le moment. Alors, pour commencer cette séance de géométrie, on se redit un petit peu les figures que nous avions... Les solides, pardon. On se redit un peu les solides que nous avions vus hier, à commencer par ceci. Si je vous montre ceci, vous vous souvenez du nom? Alors, c'est tout à fait ça. Il s'agissait du cube. Voilà, ça, c'était le cube. Ensuite, il y avait une autre figure que nous avions vue. C'était celle-ci. Alors, celle-ci, je l'avais comparée avec quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez, les petits loups? Corentin, tu te souviens? Oui, je l'avais effectivement comparée avec une balle. Et forcément, c'était la boule. Très bien, donc on a vu le cube, la boule après. Si je vous montre ceci, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'était le pavé... droit, bravo, c'est Inès qui nous l'avait redit tout à l'heure. Très bien. Ensuite, il y avait ceci. Souviens ? Ceci. Que j'avais comparé avec ceci. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu te souviens du nom ? Noah, tu te souviens ? Il s'agit du cylindre. Ça, c'est très très bien. Le cylindre. Ensuite, nous avions la pyramide. Et pour finir, nous avions, petit chapeau de sorcière, le cône. Bon, bah, c'est très bien tout ça. Je te demande de regarder la petite vidéo qui suit tout de suite pour bien faire la différence entre les solides que je viens de te montrer et les figures planes que nous avions revues au début de l'année. Toutes ces figures sont des figures planes. Tu les connais déjà. On dit qu'elles sont en deux dimensions. Ça signifie qu'elles sont plates. Voici maintenant des solides. Ce sont des figures en trois dimensions. Ça signifie qu'elles ont une épaisseur. Par exemple, le cercle est une figure plane. On peut le comparer à un DVD. La sphère est un solide. On peut la comparer à un ballon de foot, par exemple. Alors, ça y est, t'es au clair. Donc, toutes les figures planes, vous avez vu que c'était des figures qui étaient en deux dimensions. C'est-à-dire qu'on les dessinait à plat sur une feuille, sur un tableau. Alors que tout ce qui est solide, eh bien, ce sont des figures en volume. C'est-à-dire que bah, c'est beaucoup plus compliqué pour les dessiner, pour qu'on voit toutes les faces. D'accord? Même si là, je vous montre quelque chose qui n'a pas de face. Ok, donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, porte un nom un peu compliqué. Il s'agit des polyèdres. Oui, vous l'avez bien dit, des polyèdres. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mais qui, en définitive, définit ou
parle de quelque chose qui est finalement assez simple. Vous allez voir. Si je vous montre les figures qui sont issues, donc le cube, le pavé droit et la pyramide, eh bien, tous ces solides sont des polyèdres. D'accord ? Vous gardez ça en mémoire. Vous pouvez aussi reprendre les objets dont je vous avais parlé, que je vous avais demandé de rechercher chez vous pour correspondre à chaque famille. Ça peut vous aider. Tout ça, c'est des polyèdres. Par contre, le cylindre, le cône et la boule ne sont pas des polyèdres. Alors, quelle est la différence entre ces deux familles ? Pourquoi ceci n'est pas un polyèdre ? Pourquoi ceci en est un ? Alors, il faut être un petit peu... c'est la famille des petits malins, là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement que ce qui les différencie le plus, c'est que une figure comme celle-ci, qui est un polyèdre, est une figure dont toutes les faces, c'est-à-dire les parois, ce qu'on appelle une face, ce sont des parois, toutes les faces sont planes, c'est-à-dire qu'on peut le poser, paf, il ne bouge pas. Alors qu'une figure qui n'est pas polyèdre, celui-là, il n'a pas de face, et en plus, c'est courbe, c'est-à-dire que si je le pose, ouais, ça tombe, ça ne tient pas. On va faire l'essai avec le pavé droit. Le pavé droit est un polyèdre. Toutes ses faces sont planes. Vous voyez ? Alors que la boule, elle roule. Eh bien oui, parce qu'elle n'a pas de surface plane. De même, la pyramide est un polyèdre. Toutes ses surfaces, ses faces sont planes. Tandis que le cône, lui, eh bien, il n'a qu'une seule surface qui est plane. Et toutes les autres sont des surfaces qui roulent, qui sont courbes. Donc, il faut bien, pour qu'un solide soit un polyèdre, il faut bien que toutes ses faces soient planes et pas qu'une seule. D'accord ? Donc, différence, polyèdre, pas polyèdre. Polyèdre parce que plane, 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 plane. Pas polyèdre parce que plane, mais ici, il n'y a pas de face. Et en plus, elles sont courbes. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Je vais vous montrer des objets. Il va falloir très rapidement que vous disiez, en pointant l'écran, est-ce que c'est un polyèdre ou est-ce que ce n'est pas un polyèdre ? D'accord ? Alors, on reprend. Polyèdre ou pas polyèdre ? Tom aux bijoux. Bien joué, ce n'est pas un polyèdre. Pourquoi ? Parce qu'il est rond, il ne peut pas se poser, il n'a pas de face plane. Bravo. Polyèdre ou pas polyèdre ? Le pavé droit. Elio ? Oui, c'est un polyèdre, puisque toutes ses faces sont planes. Bravo. Polyèdre ou pas polyèdre ? Ombline ? Oui, tu as raison, c'est un polyèdre, car toutes ses faces sont planes. Très bien, ma puce. Alors, le cylindre, polyèdre ou pas polyèdre ? Inès ? Ce n'est pas un polyèdre. Attention, parce que là, il y a une surface plane, là, il y a une surface plane, mais là, il n'y a pas de face. Et en plus, elle les courbe. Ok. Prochain. Polyèdre ou pas polyèdre ? Tom le prêle ? Oui, polyèdre. Car toutes les faces sont planes. Bien joué. Le dernier.
polyèdre ou pas polyèdre. Allez, Raphaël. Non, ce n'est pas un polyèdre parce que si la base est plane, par contre, sur les côtés, c'est courbe. Bravo! Donc, on récapitule. Dans ce que je vous ai montré, il y a trois polyèdres, c'est-à-dire la pyramide, le cube et le pavé droit. D'accord? Alors, maintenant, vous allez aller récupérer le petit tableau dans le fichier de papa et maman et on va travailler sur les faces et sur les sommets. Alors, pour le travail qu'on va faire maintenant, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre les objets que je vais vous citer, c'est-à-dire les objets que vous avez pu trouver chez vous et qui vont pour chaque famille. Je vous demande de prendre le cube pour commencer. Alors, le cube, on va d'abord s'occuper des faces. Alors, les faces, en fait, ce sont les parties qui sont plates. D'accord? Et donc, dans le tableau que j'ai mis aussi derrière moi, on va devoir compter combien il y a de faces dans le cube. On y va ensemble? 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, 6. Il y a donc 6 faces dans le cube. Nous reprenons notre cube et nous allons maintenant compter combien il a de sommets. Alors, on avait vu ça un petit peu en classe. Les sommets, ce sont en réalité les pointes. Hein, ça indique, comme en montagne, le sommet de la montagne, la pointe. Donc, on ne dit pas la pointe en géométrie, on appelle ça des sommets. C'est un vocabulaire qu'il faut garder en mémoire. On va compter combien il y a de sommets dans notre cube. Alors, faites avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 et la dernière, 8. Il y a 8 sommets. Nous prenons maintenant notre pavé droit. Pavé droit, donc chez vous, vous avez peut-être une boîte de biscuits ou une boîte à chaussures et en tous les cas, ou une boîte d'allumettes, et en tous les cas, ça va vous permettre de compter combien il y a de faces, donc de surfaces planes, dans le pavé droit. On y va? Je vous laisse le faire. Alors, combien avez-vous trouvé de faces pour ce pavé droit? Qu'en penses-tu, Yolane? Le pavé droit, eh bien, le pavé droit, il est comme le cube. Il a 6 faces. On vérifie? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Vous me comptez le nombre de sommets? Allez, Lewis, tu me dis combien il y a de sommets dans le pavé droit? Eh bien, il y en a 8, comme pour le cube. Bravo. On s'attaque maintenant à la pyramide. Alors, pour la pyramide, peut-être que vous n'en avez pas trouvé chez vous. C'est tout à fait possible. Par conséquent, on va le faire avec celle que j'ai devant moi. Alors, combien la pyramide a-t-elle de faces? Donc, il y a déjà celle sur laquelle elle repose la pyramide. 1. Ensuite, 2, 3, 4 et 5. 5 faces. Et enfin, pour le nombre de sommets, eh bien, nous avons les 4 de la base, 1, 2, 3, 4, plus le sommet tout en haut. Et donc, ça fait, oui, c'est ça, Lewis, ça fait 5. Et on l'écrit. Ainsi donc, nous avons fait le tour de nos polyèdres en ce qui concerne les faces et les sommets. Ça, c'est un tableau qu'il faut apprendre par cœur. C'est nécessaire, vous en aurez besoin toute votre vie d'étudiant. D'accord? Donc, on récapitule, les polyèdres sont des solides dont toutes les faces sont des surfaces planes, c'est-à-dire qui tiennent, peuvent tenir, d'accord? Tous les autres sont des non-polyèdres, ok? Le petit tableau, là, il est à coller dans le cahier jaune, ok? Allez, on se lance dans les problèmes. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez le texte du problème dans le fichier de papa et maman et on y va avec le fluo pour directement prélever les indices. Rodrigo, Maya et Raphaël sont au restaurant. Le menu enfant de Raphaël coûte 12 euros. Le menu de Maya coûte 21 euros
Le menu de Rodrigo coûte 24 euros. Question, quel sera le montant de l'addition? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le montant de l'addition? Ça veut dire combien à la fin il faudra qu'ils payent tous les trois. D'accord? Le montant de l'addition. Donc, nous allons prélever les indices. Est-ce que la première phrase est importante? Rodrigo, Maya et Raphaël sont au restaurant. Important ça pour résoudre notre problème? Bah, pas tellement en fait. Le menu enfant de Raphaël coûte 12 euros. Ah, ça c'est important, coûte 12 euros. Ok, premier indice, les 12 euros du menu de Raphaël. 12. Le menu de Maya coûte 21 euros. C'est également important. Le menu de Maya, il coûte 21 euros. Le menu de Rodrigo coûte 24 euros. Encore un indice important. Alors, indice important, le 12 euros dépensé, le 21 euros de Maya et le 24 euros de Rodrigo. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est le montant de l'addition. Combien ils vont payer? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, tout à fait comme. On va ajouter toutes ces sommes pour savoir combien, eh bien, ils vont dépenser. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme opération? Alors, c'est bien comme, il faut additionner 12 plus 21 plus 24. Et voilà. Et comment on fait pour résoudre cette opération? Eh bien, c'est bien, Martin, oui, on la pose. Et c'est parti. Donc, colonne des dizaines. Et on n'oublie pas notre colonne des unités. C'est parti. Alors, les unités, je vais juste les souligner. Unité, unité, unité. 12, donc le 2, les unités. Le chiffre 1 de la dizaine. Plus 21. 21, c'est 2 dizaines et chiffre 1 des unités. Plus 24, le 2 de la dizaine. Et le 4, chiffre des unités. Ok, jusque-là, on est ok. On est bon. C'est parti. 2 plus 1. Nour, 2 plus 1. 3, très bien. 3 plus 4. Allez, Nour, faut que ça commence à venir, ça. Hein. 3 plus 4, 7. C'est parfait. On y va pour la dizaine. 1 plus 2. Allez, Jean. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. Donc, combien dépenseront-ils? Le montant de l'addition sera 57 euros. Ah oui, on n'oublie pas de mettre les unités. Il s'agit d'euros, pas des petits pois, des carottes ou je ne sais pas quoi. D'accord? C'est important de répondre correctement à la question. Alors, on y va jusqu'au bout. J'utilise les mots de la question. Le montant de l'addition sera 57 euros. Point final. Et voilà, on a résolu notre premier problème et on passe au second. Alors, au niveau du prélèvement des indices. Yolande, Tom et Martin sont au restaurant. Important ou pas? On est content de le savoir, mais en fait, on s'en fiche un peu. Le menu enfant de Martin coûte 20 euros. Important ou pas? Ah, le fait que ça coûte 20 euros, ça c'est important. Le menu de Tom coûte 40 euros. Important ou pas? Bien entendu, ça l'est. Coûte 40 euros. Et le menu de Yolande coûte 32 euros. Important également. Coûte 32 euros. Donc, même question que tout à l'heure. Quel sera le montant de l'addition? Une fois qu'ils vont sortir du restaurant, combien ils vont devoir payer?
Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître ça, Aaron? Même chose que précédemment, il faut additionner toutes ces sommes, c'est-à-dire les 20 euros du menu de Martin, plus les 40 euros du menu de Tom, plus les 32 euros du menu de Yolan. Alors, comment on fait? Alors, oui, tu as raison, Noah. On pourrait très bien les mettre en colonne. Mais là, il y a quelque chose qu'on sait faire. Regardez. Ça y est, t'as vu, Noah? En fait, voilà, très bien. Tu as deux chefs de famille. Donc, cela, on sait faire. Deux dizaines plus quatre dizaines, on sait faire facilement. Donc, on va d'abord faire ça. 20 plus 40. Et ça fait combien, Noah? Ça fait 60. Ça fait 6 dizaines. Du coup, il n'y a plus qu'à faire 6 dizaines plus 32. Allez, Jason. Donc 0, 2, il reste toujours, il y a toujours deux unités. 6 dizaines plus 3 dizaines, Jason, ça fait 9. 9 dizaines. Du coup, le montant total à payer, comment tu lis ce nombre? 92, parfait. Allez, on écrit la phrase réponse en utilisant le mot de la question. Le montant de l'addition sera le montant de l'addition sera de 92 euros. On met bien l'unité. Je vous remercie d'avoir été si attentif. N'hésitez pas, les papas et mamans, s'il y a des soucis qui perdurent, à revenir vers moi. Et puis les enfants, je vous laisse. Alors, pour demain, j'aimerais beaucoup que vous fassiez la lecture. En fait, c'est pas j'aimerais, c'est je voudrais, je veux que vous fassiez la lecture donc de la lettre que l'on a retravaillée en début de séance, Y. S'il y a un tout petit texte que j'ai écrit, et je souhaiterais que vous la fassiez parce que demain, il y aura un quiz sur ce texte, c'est-à-dire il faudra répondre à des questions de compréhension. D'accord? Ça, c'est la première chose que je vous demande de faire. Orthographe, revoir la phrase de dictée que nous verrons en entier demain, puisque elle, ça y est, elle est terminée. Troisième chose, les tables d'addition, s'il vous plaît, on ne relâche pas nos efforts. 3, 4 et 5. Et enfin, le tableau des polyèdres. Et dans les tableaux des polyèdres, savoir combien de faces et combien de sommets ont nos polyèdres. Cube, pyramide et pavé droit. D'accord? À demain, bon courage!